Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Ici Mathieu, copywriter et éditeur. Alors, connaissez-vous la qualité commune à tous les millionnaires? Cette qualité que possèdent tous les millionnaires que j'ai rencontrés jusqu'à ce jour, une bonne dizaine, cette qualité commune qui leur permet d'avoir un business fulgurant. Donc, restez bien avec moi au cours de cette vidéo. C'est ce que je vais partager avec vous. Comment j'ai remarqué ça? C'est-à-dire notamment... Il y a quelques semaines, j'étais en mastermind, pendant 3 jours de séminaire à Paris, dans le mastermind séminaire Copywriting Société, organisé par Leandro, qui avait réuni plusieurs personnes qui font 1 million d'euros ou plus de chiffre d'affaires par an. Et ce qui m'a frappé, donc, c'était que tout... ces entrepreneurs à succès possédaient cette qualité. C'est ça qui était étonnant. Ils possédaient toute cette qualité. Et bien que j'ai intervenu pendant plus de 2 heures pendant ce séminaire pour partager avec tous les participants mes stratégies, le pouvoir des mots pour rédiger des séquences email qui déclenchent les ventes, des séquences email qui transforment des lecteurs, des visiteurs en clients satisfaits des produits et des services, j'ai énormément appris pendant ces 3 jours de séminaire. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est cette qualité propre à tous les millionnaires que je fréquente personnellement, qui partagent avec moi énormément de choses. Je partage ce que je peux leur apporter, donc je fais de mon mieux. Donc, ce qui m'a frappé, c'est quand je les ai rencontrés, que j'ai discuté avec eux, ça m'a fait direct, j'ai fait un parallèle avec le sport, avec les champions sportifs et notamment le judo, vu que j'ai fait du judo pendant 10 ans, que j'ai côtoyé des champions de France, même un champion d'Europe, plusieurs champions d'Europe. Et du coup, j'ai tout de suite constaté que les millionnaires ont la même qualité qui se retrouve chez les champions sportifs. Donc par exemple, au début, un judoka, il s'entraîne, donc forcément il est débutant et il va pas se dire « bon allez, claque, en un claquement de doigts, du jour au lendemain, je vais devenir un champion, je vais devenir champion de France, remporter tous les combats ». Non, c'est pas ce qu'il se dit. Il va s'entraîner encore et encore à la salle de sport, donc au dojo, pour perfectionner ses prises de judo, améliorer sa technique, améliorer son endurance. Et finalement, ce qui fait la différence entre un champion et les autres judokas et les autres sportifs, eh bien, c'est pas l'équipement, c'est pas le kimono qu'il a, la genouillère qu'il a ou la pommette qui se passe sur les muscles pour les chauffer. Donc, c'est pas une question d'équipement, c'est pas une question de moyens financiers, c'est même pas une question de force physique et ce n'est pas une question de technique, non. Tous les champions ont acquis cette notion de persévérance, c'est-à-dire ils s'entraînent régulièrement, plusieurs fois par semaine, et ils répètent encore et encore les mêmes prises, ce qui leur permet de persévérer. Et ils font des petites, à chaque entraînement, ils font des petites améliorations successives, des améliorations aussi minimes soient-elles, mais chaque entraînement, ils s'améliorent. Ils s'améliorent peut-être de 0,1%, peut-être de 1% parfois. Peut-être de 2% parfois, peut-être de 0,5% à un autre entraînement. Mais chaque entraînement, ils font des petites améliorations successives, des améliorations qui paraissent dérisoires. Mais au final, en s'entraînant tous les jours avec régularité, ça permet au bout de quelques mois de devenir un champion. Et donc, tous les millionnaires présents à ce Mastermind Séminaire Copywriting Société, donc c'était l'événement à ne rater sous aucun prétexte, voilà, être absolument présent, ont cette notion de persévérance. Donc, c'est-à-dire, c'est pas des Einstein, c'est pas des génies, non pas que je remette en cause leur intelligence, ils sont extrêmement intelligents, mais ils ont pas de doctorat, ils ont leur bagage technique, leur bagage stratégique, leur bagage pratique, ils passent à l'action et ils passent à l'action tous les jours avec une régularité sans faille. C'est leur caractéristique commune à toutes ces personnes qui dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, je tenais absolument à partager avec vous cette caractéristique de l'intérieur que j'ai vécu, que j'ai constaté, que j'ai pu toucher limite. Donc, la persévérance. Posez-vous la question dans votre activité. Est-ce que vous êtes persévérant? C'est-à-dire les petites choses, les petites actions répétées encore et encore et encore mène aux grandes actions. Donc, le sportif qui répète encore et encore la même prise
finit par devenir un champion. C'est Bruce Lee qui répétait qu'il n'avait pas peur des 1000 coups différents que vous connaissez. Par contre, il avait peur à mourir du seul coup que vous connaissez, que vous avez répété des milliers et des milliers de fois. Parce que forcément, en vous améliorant petit pas après petit pas, vous grimpez l'échelle du succès, vous arrivez au sommet à un moment ou à un autre. Bref, aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que vous faites ces petites actions simples et faciles dans votre activité? Est-ce que vous les faites avec persévérance, avec régularité, tous les jours? Donc, ça peut être une action aussi simple que d'envoyer un seul email par jour. Ça prend 30 minutes d'envoyer un email par jour à vos abonnés, à vos contacts email, à vos fans pour raconter une petite histoire autour de votre expertise, autour de l'expertise de votre équipe, pour partager une astuce, un conseil tout de suite pratique qu'ils peuvent mettre en place directement dans leur vie pour résoudre leurs problèmes et améliorer leur situation. Et bien évidemment avec une transition vers votre page de vente. Donc, est-ce que vous faites ne serait-ce qu'un email par jour qui prend seulement une demi-heure? Donc, soit vous, soit votre équipe, bien évidemment. Donc, tout ça fait avec régularité, avec persévérance. Ça mène tous les entrepreneurs à finalement par déblayer le chemin, c'est-à-dire au milieu de la jungle, à force de donner des coups de faux, des coups de machette, ça crée un nouveau chemin et ça permet d'arriver à destination. Donc, je vous invite aujourd'hui à agir avec régularité, constance, persévérance et faire ces petites améliorations successives. Disons que c'est assez insensé de croire qu'une personne va devenir riche du jour au lendemain, qu'une personne va sortir un texte de vente qui du jour au lendemain va générer 1 million d'euros. C'est assez hallucinant parce que ça n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ce qui se passe, vous sortez un texte de vente, moi je sors un texte de vente, les meilleurs copywriters que j'ai rencontrés pendant ce séminaire de Mastermind Copywriting Secret de Société sortent un texte de vente, il ne fait pas 1 million d'euros. S'il fait une vente, ils sont contents. Et après, ils l'améliorent encore et encore jusqu'à atteindre des dizaines de ventes, des centaines de ventes, des milliers de ventes. Et après, ça génère 1 million d'euros, mais pas dès le début. Et repensez à cette notion d'amélioration successive de vos textes de vente. Si vous imaginez trouver le mot parfait, chercher le mot parfait, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mot parfait, il n'y a pas de texte de vente parfait. Non, on pose un texte de vente sur la table. Donc, dans cette chaîne, ce podcast Le Pouvoir des Mots, je partage les principes des textes de vente fascinants qui déclenchent les ventes. Et ensuite, vous améliorez ce texte de vente encore et encore jusqu'à temps de déclencher cette avalanche de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est à vous de jouer, de mettre en place une action que vous répétez jour après jour, régulièrement et que vous améliorez par itération successive, des petites améliorations aussi minimes soient-elles qui vont vous mener à progresser sur l'échelle du succès. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement, avec une méthode à suivre pas à pas, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous pourriez déclencher une avalanche de nouveaux clients, acquérir votre 1 million d'euros de chiffre d'affaires et même beaucoup plus. Tout ça en passant à l'action, en mettant en pratique les ressources privées et exclusives qui sont pas révélées publiquement, que je révèle uniquement aux créateurs de prospérité, des membres de ce cercle privé. Donc l'adhésion est entièrement gratuite à ce cercle privé aujourd'hui. Donc profitez-en maintenant, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous allez également recevoir la formation entièrement gratuite, complètement gratuite, Autoroute du succès, qui chaque jour, vous recevez un épisode par email, donc un épisode de cette formation à mettre en pratique. Comme ça, vous êtes sûr d'avancer avec régularité, avec persévérance. Parce que tous les jours, moi, je vous envoie un email que j'écris. Donc ce jour, ce matin, j'ai envoyé un email à tous les créateurs de prospérité, tous ces entrepreneurs pour les aider à devenir des créateurs de prospérité à leur tour, pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour leur famille, pour leur offrir des cadeaux, pour réaliser leurs rêves, bref, pour créer toute la prospérité qu'ils désirent. Je leur envoie un email avec une action pratique, concrète à mettre en place. Du coup, vous n'avez même plus besoin de vous poser la question « qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Non, vous consultez votre boîte mail, vous mettez en pratique
l'action autour du succès du jour. Si vous voyez que jour après jour, c'est une formation, bah, j'écris des emails tous les jours depuis plus d'un an et demi. Donc, je vous accompagne sur la durée. Là, ça fait plus d'un an et demi que j'écris un email quasiment chaque jour. Donc, c'est 5 jours par semaine, 4 ou 5 jours par semaine. Et du coup, vous avez juste à assembler jour après jour les éléments de votre tour du succès et vous pourriez devenir millionnaire avant même de vous en rendre compte. Bref, c'est génial. Je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Je vous accueille et dès demain, vous allez recevoir, demain, je vais rédiger un nouveau épisode autour du succès. Donc dès demain, vous allez recevoir un nouvel épisode de la formation gratuite autour du succès pour utiliser le pouvoir des mots, vous permettre de transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, ce qui permet une augmentation du chiffre d'affaires. Bref, passez à l'action. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous, persévérance, régularité et petites améliorations successives mène au succès quasi à tous les coups. Enfin, en tout cas, c'est le point commun que tous les millionnaires que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant possèdent, cette notion de persévérance, de régularité et d'amélioration successive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut !